Chère Yvette, votre nom représente les mystères et les secrets. Vous valorisez votre indépendance. Vivre sous pression n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas être restreint. Vous vous démarquez par vos techniques pour exprimer vos pensées. Votre mémoire est forte, vous n'oubliez pas facilement, même si les années ont passé. Vous vous en souvenez clairement comme si c'était hier. Vos aspects dépressifs sont prédominants. Vous pourriez avoir des difficultés à faire des économies. Vous aimez l'intimité et évitez de révéler vos sentiments. Vous présentez une apparence introvertie et indifférente. Vous expérimentez ensemble la tristesse et la joie. Vous pouvez avoir des changements spirituels. Votre prénom, Yvette, fait de vous une personne autonome, créative sur le plan pratique et une travailleuse indépendante et diligente. Il est préférable de travailler seul pour prendre vos propres décisions, car il n'est pas toujours facile pour vous de répondre aux conseils et aux directives des autres. Car vous ressentez le besoin de garder le contrôle. Vous appréciez les plaisirs simples de la vie, notamment les activités qui vous emmènent en plein air. Vous avez quelques bons amis qui aiment les mêmes activités. Vivant essentiellement dans vos propres pensées et trouvant difficile de communiquer facilement avec les autres. Vous êtes parfois trop franc et honnête dans votre évaluation des situations. Vous ressentez cette séparation des autres et donneriez tout pour être toujours léger et amical au lieu d'être sérieux et timide. Vous pourriez souffrir de tensions à la tête ou de toute faiblesse relative au cœur, aux poumons ou aux organes bronchiques. Vous êtes plutôt joyeux, constructif, actif, communicatif et entreprenant. Vous donnez le baiser de la vie et du bonheur à ceux qui vous entourent. Vous ressentez des sentiments de santé et de vitalité. Parfois, votre stagnation, votre inactivité, votre mélancolie et votre tristesse peuvent vous faire perdre espoir. Dans vos traits perdus, on peut voir des situations d'être écrasant et supérieur, et une curiosité de se montrer. Vous êtes maîtrisé, confiant, équilibré, harmonieux, en quête de paix et de stabilité, prudent, impartial, libre, partageur, généreux et coopératif. Vous souhaitez préparer des environnements adaptés à votre moi mental et émotionnel. Vous êtes très religieux et avez des objectifs élevés. Vous avez le monde profond de l'âme. Vous êtes conscient de votre devoir. Vous êtes talentueux, fidèle, passionné et guérisseur. Vous êtes en quête de beauté, d'amour et de paix. De temps en temps, vous souhaiterez peut-être le calme, le silence, la tranquillité, la sérénité et être seul. Être dehors au bord de la mer vous détend spirituellement. Lorsque vous perdez vos traits, vous pouvez être en recherche constante. Vous sentir méfiant et incertain, perdre confiance en vous, être trop émotif et avoir des rêves difficiles à réaliser. Vous pouvez parfois constater des changements dans vos envies et vos désirs. Vous êtes noble, autonome, humble et visionnaire. Vous avez des caractéristiques d'énergie spirituelle, de personnalité artistique, de réflexion et de tolérance. Nos chers adeptes, sur notre chaîne, nous analysons uniquement les personnages en fonction de leurs prénoms. Vous pouvez nous écrire les prénoms que vous souhaitez que nous analysions en précisant vos informations de sexe et de nationalité. Pour être informé des caractéristiques des autres prénoms, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Avec notre amour le plus sincère.